chers téléspectateurs, et bienvenue sur Question pour un gros con, l'émission qui fait toutes les joutes. Ce soir, nous accueillons Jean-Bernard, Huguette, et j'ai pas son nom, faites-lui un tonnerre d'applaudissements, il vient du 26, route des îles. Oyo. Bonsoir, vous vous appelez comment? Voilà, Louis Kiki. Louis Kiki, c'est noté. Oui, c'est noté. Merci. Vous jouez pour Question pour un con. Je suis pas con, je sais qu'on joue pour Question pour un con. C'est clair? Mais c'est grand. Pourquoi les cigognes quittent-elles la France? Je sais pas. Bon, on va pas commenter. Le chameau a deux gosses, à quoi lui sert-elle? Des réserves d'eau? Mais non, pour dire le chauffard. Voilà, tout à fait. Que sont en fait les yeux de la pomme de terre? Pip. Des boutons? Non, fais rien, pas de commentaire, merci bien. Au revoir Louis Triti, et à la prochaine fois. Peut-être. Purée. Bon, voici bien, nous allons passer à la deuxième candidate. Elle vient de la France, des Vosges, elle est une bonne Vosgienne celle-là. Elle vient du 88, elle est fière de sa région, ça fait 30 ans qu'elle joue. À Question pour un coco, mais elle n'a jamais gagné. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Huguette. Bonsoir Huguette. Bonsoir les enfants. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est bien, c'est bien. Pourquoi les serpents perdent-ils leur peau? Pour muer. Ah, faut buzzer déjà. Pour muer. Tout à fait, bien joué Huguette. Pourquoi y a-t-il des olives vertes et des olives noires? Parce qu'il y en a qui sont trop cuites et il y en a qui sont pas assez cuites. Non, oh, désolé. Non, bon. Désolé. Grâce à quoi les mouches peuvent-elles marcher au plafond? Elles ont des ventouses. Bien joué, Huguette. Merci bien d'avoir participé. Deux bonnes réponses sur trois. Bah, je vous fais un bisou. Ah oui, allez. Merci, Huguette. Ça m'a fait très plaisir. Bon, bah, si c'est comme ça, vous tricoterez un petit peu. Merci bien, Huguette. Oh, purée, elle est vieille de nos jours. Ah oui, mais n'a plus. Une petite page de. Aujourd'hui, nous avons deux produits à vous proposer. Bio. Un paf. À l'huile de camoté. Voilà, après, vous sentez bon la mer. Là, et nous avons un deuxième, la Vandoline. Après, vous êtes sûr de péter tous les records que vous avez. Non, pas ça. Voici la pub, elle finit. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Jean-Bernard sur notre plateau. Le fan de toutes les émissions. Bonjour Jean-Bernard. Ouais, bonjour. Ça va bien? Ouais. Ça va bien? Ouais. Parfait, merci Jean-Bernard. Je suis à vous, hein. Je suis venu pour gagner. D'accord, bon, merci. Content. Pourquoi la mer est-elle salée? Parce que c'est les couches, si. Parce que c'est les rochers, des ruisseaux. Oui, bon, d'accord, c'est salé. Et que l'eau vient dans la mer et que tout est salé. Pourquoi les luisants brillent-ils dans le noir? Pour trouver leur chemin et pour attirer les femelles de leur côté. Je ne sais pas, mais si vous le dites. Merci bien. D'où vient le sel à table?